soit comme des personnes du coup qui sont très jeunes, très innocentes, très naïves, soit comme des femmes, enfin soit vraiment comme des femmes objets, soit comme des lady, c'est comment on dit déjà le truc, c'est ouais, Lady Dragon, tu vois, genre comme des meufs influentes mais un peu mystérieuses, genre qui sont un peu là genre pour scammer les gens et pour arnaquer les gens, ouais, et genre être hyper sexuel. Enfin, qu'il y a toujours ce côté, ouais, j'ai trouvé ma femme asiatique, elle est très douce et soumise. En fait, on parle pas d'elle, on parle que de son corps, quoi. Ça véhicule vraiment le stéréotype et le cliché, justement, de la femme vietnamienne. Et il m'a ensuite confié après qu'il voulait que je me déguise en lycéenne japonaise. Et maintenant, avec le recul, je me dis qu'en fait, il avait juste son fantasme de la jeune fille mineure, pure et innocente japonaise, qu'il veut violer, clairement. Les gens qui te surnomment Katsuni au lycée, au collège, en classique. Selon des statistiques fournies par le site Pornhub, les termes liés aux personnes asiatiques représentent à eux seuls 8 des 25 termes les plus recherchés de l'année 2019. Japonaise et hentai arrivent en première et deuxième position de ce classement. Coréenne et asiatique en cinquième et sixième position. Suivent animé et chinoise en 14e et 18e position, sans oublier indienne à la 22e place. Tous ces termes auxquels on peut rajouter massage en 8e position, dont l'association avec l'image des femmes asiatiques laisse peu de doute. Moi, j'ai juste arrêté d'être une femme.